Bon alors messieurs, on se retrouve pour un nouvel épisode de J'irai golfer chez vous. On est à Granville. On a sorti un peu Ben de la rédac. Granville, tu connais bien, toi tu viens souvent faire le Grand Prix ici. Ouais, bah c'est un des rares links de Normandie, je crois même que c'est le seul links reconnu en Normandie. Voire en France même, on peut considérer que c'est... Il y a un gros débat là-dessus. Ouais. Non mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir 27 trous pure links. Donc l'ancien parcours qui est effectivement celui-ci, plus les 9 trous qui ont été faits en 86. Donc vrai pure link, 100%. C'est vrai qu'il y a un débat là-dessus, mais bon, pas sur le bunker. Ouais. On joue sur un petit morceau d'histoire, quoi. Ça n'a pas trop bougé depuis 1912. Ça peut bouger depuis 1912, et effectivement, c'est un vrai point d'histoire du golf en France. Et c'est ça qui donne le charme de Granville. C'est toujours la même histoire à Granville. Il y a les jours avec, sans vent, et il y a les jours avec du vent. Et là, ça bastonne. Et là, c'est un peu différent. Effectivement, on pourrait quelquefois être surpris par des trous relativement courts, mais évidemment, on peut tout à fait se retrouver sur un tout petit par 3, jouer un driver, ça ne pose pas de problème, ça fait partie du jeu. Donc, c'est le charme du link. C'est déjà le vrai charme du link, c'est effectivement. Et Benjamin, toi, tu as des souvenirs justement de... Souvenirs que tu te bouffes les doigts quand tu es là-dedans, parce que... Je vais descendre dedans pour vous montrer. Vous voyez, si vous êtes là-dedans. Bon, je suis pas bien grand, mais on se sent vraiment tout petit. Là, on voit plus du tout le green qui est à quoi, 180 mètres à peine. Mais là, bah, vous êtes dans le... C'est quasiment... C'est pas un vrai pot de bunker. C'est un petit peu grand et peut-être pas encore assez profond pour un pot de bunker. Il faudra demander aux puristes des links c'est quoi un vrai pot de bunker. Mais là, bah, c'est 60 degrés. On va chercher le fairway qui est là, une quarantaine de mètres. Et puis c'est tout. Ça beau de dater de 1912, il n'y a pas besoin de faire des parcours de 7000 mètres pour être protégé. Vous mettez un bunker bien profond au bon endroit et vous piégez n'importe quel type de joueur sans appel. Là, même Tiger Woods ne peut absolument rien faire d'un bunker aussi profond à 200 mètres du green. Quoi. C'est vrai que c'est quand même là on voit un par 3 qui... Est-ce que tu te sens intimidé, quoi ? Ouais, un peu, ouais. Un peu, parce qu'on voit, d'ici là même des jaunes, on voit pas le green. Oui, bah c'est toute la difficulté, c'est une des difficultés de ce trou. On voit la qualité du parcours, c'est qu'à taper à plein coup de fer 6. J'ai pitché juste au début de la butte là-bas, la balle a roulé 5 mètres, c'est-à-dire que c'est pas grillé, de toute façon, on n'est pas sur un majeur, on n'est pas sur un British Open, la balle n'a pas roulé de 50 mètres. Tout le monde peut poser la balle sur le green, et après on va voir quand on puttera tout à l'heure, et Patrick confirmera qu'il y a énormément de boss sur le green, que tout n'est pas fait une fois qu'on est en régulation ou en deux sur le green. C'est aussi le putting, c'est aussi une partie du jeu où les amateurs de quelque niveau que ce soit peuvent quelquefois rivaliser avec les très très bons joueurs. Donc ça remet vraiment tout le jeu dans son contexte, quoi. Ça c'est absolument génial. Et puis, un peu de chance aussi, puis il en faut. C'est quand même très propre, c'est nettoyé, c'est jouable, on n'est pas dans la pampa. Alors la fameuse glinette que voilà, que je vous présente, Miss Glinette, là vous tombez là-dedans, ça, c'est pas très très bien. Et... Après, c'est ça qui est bien, ici, c'est qu'on la retrouve généralement, oui, là-bas. Oui, oui, oui. On est pénalisé, mais on peut jouer. C'est pas si mal. Pointe sur Granville, la Bretagne, Chauzet, les Anglos, et Coutainville plus haut là-haut, il y a un 18 trous aussi. Il y a un autre truc, là, ça va te faire pas mal, JP, parce que je crois qu'il y a encore une plage naturiste juste derrière. Absolument, il y a encore quelques fréquentations. Bon, ça distrait parfois les golfeurs. L'été surtout, mais bon. Je sais pas, sans doute que certains naturistes jouent au golf,
Après, difficile de les identifier parce que c'est quand même assez loin. C'est facile, hein, de les identifier, ils sont tous juste. C'est assez rigolo parce qu'il y a des gens qui viennent regarder un petit peu, genre 5-6 personnes, mais c'est déjà vachement impressionnant, surtout qu'on a un coup assez compliqué à jouer. Vous avez aussi les touristes qui viennent se baigner, la serviette sur l'épaule toujours, et vous avez toujours ce coup, bah, comme je dis, qu'on ne sait jamais trop comment le jouer. Est-ce qu'on l'a fait on essaye de la faire arriver la balle en roulant, mais est-ce que la balle va monter la pente comme sur le trou numéro 3? Si vous vous trompez, que la balle tombe directement sur le deuxième plateau, parce que le green a deux plateaux, si la balle tombe sur le plateau du dessus, elle va filer derrière et vous laisser un chip hyper compliqué. Donc il se passe toujours des petits drames, parce que si vous restez court, le chip est vraiment compliqué. Si vous flyez le green, c'est encore plus dur et il y a vite fait moyen de prendre son double, voire triple. Il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on a le clubhouse qui est juste à côté et on peut manger... On peut manger la fameuse andouillette, Jean-Philippe, la fameuse andouillette du clubhouse de Granville. Notre table. Alors, on se permet d'insister dessus, l'andouillette avec les frites maison et la petite sauce moutarde, c'est juste parfait. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire tomber la balle derrière le green, parce qu'on va voir, il y a un mur après le green, faire tomber la balle derrière le green, et de temps en temps la balle revient. C'est partie de certaines stratégies de joueurs. Aller taper vraiment derrière pour que la balle s'arrête. Il faut être gonflé, après c'est quand même, faut oser taper un coup fort, parce qu'en fait si elle prend au-dessus, des fois c'est arrivé, elle peut aller sur le départ du 3 et voire même glisser vers le green du 2. Donc un coup de l'arrière, c'est très 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 compliqué. C'est impressionnant cette butte quand même là. C'est très fun aussi. On sait qu'il y a bah, comme l'a dit Patrick, il y a deux voire trois façons de le jouer. On peut la jouer basse, la faire rouler éventuellement selon notre niveau. On peut atterrir directement sur le green ou la faire taper derrière et revenir. Et c'est ça qui est fun avec les links, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire. Quoi. Exactement. Et puis ce type de green, on le voit nulle part. Enfin, il y avait une très très belle histoire. Au gré de mes recherches, on avait commencé avec Stéphane Rouen à aller un petit peu ici et là glaner des informations, notamment aux archives de Normandie. Et puis un jour, j'ai eu un contact avec une personne qui m'a demandé de recontacter quelqu'un et j'ai téléphoné à cette personne et je pensais tomber vraiment je ne savais pas sur qui j'allais tomber, en fait, voilà, très exactement. Et en fait, je suis tombé sur un monsieur de 98 ans, qui avait été membre ici enfant, et dont le père était membre du comité directeur. Et quand le golf a été fermé en 41, il a récupéré le maximum d'archives, donc les plans de Colt, des lettres de Colt, tout un tas de trucs fantastiques, et il les a mis de côté. Et les pièces uniques, et puis je ne sais pas comment il a su qu'on recherchait les archives. Et puis progressivement, je suis allé le voir une fois, deux fois, et puis à chaque fois il me sortait un petit dossier avec les plans, une fois une lettre, une fois enfin des trucs. Et aujourd'hui on a des choses absolument fantastiques en termes d'archives. Enfin, je suis tombé sur les dessins de colle, papier millimétré, tout était repéré au crayon, enfin juste fantastique, des annotations, enfin, fabuleux. Quoi, voilà.